moindre battement de cils, je vous embroche. Je vous transperce. Joseph Donnelly, de la famille Donnelly, que vous avez expulsé de sa terre. Au nom du ciel, mais de quoi voulez-vous parler? Préparez-vous à payer pour vos crimes. Oh, ah non, 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 non. Seigneur Jésus. Comme il a les mains noires, mère. Peu importe ses mains. C'est un paysan crasseux qui dit des insanités. Si c'est le cas, pourquoi se donner tant de mal à panser ses blessures? Notre devoir est de le rétablir en parfaite santé. Comme cela, il aura tout le loisir d'entendre son cou craquer au bout de la corde. Tournez-vous, Shannon, et protégez l'innocence de vos yeux. Il a bien choisi son jour pour venir troubler notre quiétude. Ces dames viennent prendre le thé cet après-midi. Oh, je me sens très fatiguée tout à coup. Surveillez-vous, Shannon. Ces dames sont des modèles de bienséance. Voilà. Non, 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 c'est rien. Oh non, il ne s'est rien passé, en effet. Oh,